Hey Meiji! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo weekly vlog. Ceci est un look que je travaille encore au cas où les gens seraient choqués. Voilà, sourcils blonds, etc. Oui, oui! Kélia sous toutes ses apparences cette année et comme toujours d'ailleurs. On se retrouve pour un nouveau clic si tu t'ennuies. Voilà, encore un weekly vlog. Je crois que c'est le quatrième. Voilà, j'aime bien filmer à chaque fois. J'ai des semaines planifiées entre guillemets et un petit peu chargées. Donc je vous emmène avec moi. Là on est mardi et hier on était lundi et j'ai vraiment pas vlogué parce que j'ai chill toute la journée à la maison. Et j'ai tourné une vidéo avec mon pote. Alors du coup c'était très short au niveau du timing. Mais là du coup on va dire que la semaine commence réellement aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, là je suis en train de me préparer. J'ai rendez-vous à 14h au showroom. Je vais au showroom PLT aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, un showroom c'est une sorte de pièce qui représente une marque. Et bah il y a des vêtements, des pièces, les influenceurs ou les personnalités publiques, elles peuvent s'y rendre pour choisir des trucs, faire du contenu, etc. Donc du coup aujourd'hui c'est Pretty Little Thing et ensuite je vais faire du contenu avec une artiste et voilà quoi, je vais filmer tout ça. Voilà, je suis trop contente de reprendre cette vidéo et puis j'aime trop ce format là, ça m'amuse trop de faire ça. Donc je termine un peu de maquiller, je vais faire mon contouring. On se retrouve dès que je suis dehors, dès que j'ai un petit peu plus de trucs intéressants à filmer quoi, parce qu'on va pas faire 20 minutes de vidéo ici, c'est pas le but. A toutes. So guys, on se retrouve dans la rue, je suis avec Asia. Il commence un peu à pleuvoir, mais voilà, on arrive au showroom, on est juste en face. Regardez mon haut PD. Est-ce que vous validez la tenue? On est en direct du showroom PLT. C'est toujours aussi beau. T'es déjà venue une fois, mais là je trouve que les vêtements ils sont de plus en plus beaux. Du coup, voilà, on va faire une petite sélection. On a choisi nos vêtements. Il donne juste de faire des petits TikTok en fait, parce que lui il est archi beau. On a retrouvé l'artiste, la chanteuse, on va faire du contenu TikTok, c'est trop cool. Et la partie est archi grande. Mes sacs. Non. Ouais, en direct avec Your Garments. Faut pas forcément beau. Les meilleurs sacs, je vous mets la page Instagram. Vous pouvez dénicher les meilleures pièces en fait. Voilà. 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 Climat qui règne en France. C'est pas. J'ai aucun. C'est un peu. Exactement. Mais c'est pas assez. C'est pas. Quelque chose à ajouter, comme nous sommes d'accord. Vous pensez quoi de la situation en France actuelle? Je suis l'ex. Elle a dit ça comme ça. Je suis l'ex 2 et tu me bipes. Ouf, mais je vais grave mettre hein, les outils très. Non, les gens vont débiler même comme ça. Je suis en couple avec Kay. Allez voir TikTok. C'est mon vlog. Je suis très blanc en ce moment, je trouve. Mais c'est l'hiver en fait. Ah, c'est pour ton blog, ça filme là. Ah oui. Coucou. C'est tout? C'est tout. Coucou. Coucou, moi c'est mon. Et ça, c'est Asia, ça. Ah, à la fin. Elle a très fin à la fin. Et voilà, c'est tout. Blogueur. Blogueur. C'est dire mousse, blogueur. Blogueur pro. Ah ouais, on va faire du tuto ensemble. Tuto bagarre. Tuto mise à la montre. Comment mettre à la montre quelqu'un? Mon agent qui fait un freestyle, je suis mort. Il y a 4 jours pour jour, je faisais que des détours en bas de ma tour. Il y a 4 jours pour jour, je faisais des détours en bas de ma tour. C'est même plus de la gêne, c'est du. C'est normal. Problème. Mais regarde comment on fait ses vitres. Le dernier venait direct. Il n'y a pas à se présenter sous son plus mauvais jour devant les abonnés. Bon bref, je suis totalement transparente avec vous. Voici ce à quoi je ressemble. Il est actuellement 3h du matin, 3h pile. Oh my god. Là je suis sur du montage pour vous poster une vidéo parce que oui, on est mercredi. Déjà ça passe trop vite. Je vous ai pas fait d'update entre cet après-midi et ce soir, mais en gros, une fois qu'on est rentré de chez Bidadi, avec ma soeur, on s'est chacune posé de notre côté et tout, on a chill. Et demain, en plus, je me lève, enfin tout à l'heure, je me lève à 8h pour enchaîner la journée du mercredi. Yes, c'est la fast life. Bref, à tout à l'heure. Hey.
Hey Medjis, oh my god, la tête je m'y fais pas quand j'ai que les sourcils blonds genre. Ce matin je me suis réveillée à 8h, alors du coup j'ai pas réussi à faire le montage, du coup je l'ai fait un petit peu ce matin. Voilà, c'est un peu short niveau montage en ce moment quand t'as des trucs qui sont prévus le matin, parce que c'est là où je termine mon montage en temps normal. Bref, donc là il est 10h38, mon Uber il m'attend. C'est le jour du shooting avec Mathieu Photographie. Je suis vraiment moche mais j'espère que la maquilleuse va faire de moi une... Bon bah c'est parti. Ça me fait mal au cœur de laisser mon montage en plan comme ça. J'aime pas faire des trucs inachevés. Bref, on éteint tout, on est parti. Ok, là je suis avec Julia. Hello. Je vais me maquiller pour le shoot. Et là il y a Mathieu derrière. Du coup je suis trop pressée. Franchement l'inspi qu'elle m'a montré. Regardez. Oui. Plus c'est une de mes maquilleuses préférées. Ah mais oui, incroyable. On va faire ça. Différente dans ma chambre, bref. En direct de mon lit, il est à peu près 23h30. À chaque fois, je vous filme pas quand je rentre de mes journées parce qu'en fait, déjà, je suis claquée donc des fois, je m'assoupis. Ensuite, je fais des TikTok donc vous pouvez directement les voir. Mes réseaux sont en barre d'infos, lol, autopromo qui fait plaisir. Et surtout, bah, je discute avec mes amis donc des fois, c'est des appels, des vocaux, etc. Enfin, des trucs vraiment, ça a rien de filmé. Regardez mes cernes, elles se prononcent de plus en plus. Mais plus en plus, j'ai des cernes, plus en plus, je kiffe ma vie, ce que je fais en ce moment. Donc, du coup, bah. Ça a mal pour un bien. Bref, on va essayer de soigner ça. Là, j'ai un petit masque sur le visage. Je vais essayer de dormir plus tôt parce que demain, je me réveille à la même heure que ce matin, donc c'est-à-dire vers 8h. Parce que vers 10h, j'aurai bah, une journée tournage, entre guillemets, voilà. Voilà, on va aller sur un petit plateau de cinéma, quoi. J'ai trop hâte. Je sais pas si demain, je pourrai filmer, en fait. Je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est pour ça que je vous en dis pas tellement plus, parce que ça se trouve, je vais rien vous filmer et on va passer directement à la journée de vendredi. Bref, je vous tiens au courant. Je vais aller dormir maintenant parce que bon. À un moment donné, il faut pas forcer sur les cernes non plus, même si à skip ça devient la mode. Hey Medji! Ok, là il doit être 9h20. Mon Uber arrive dans 2 minutes. C'est le jour où je pars faire mon tournage. Je ne vous dis pas où, parce que je sais très bien que ça va être une expérience à raconter. Donc j'ai envie d'en dire le moins possible. Pour cette journée-là, pour le raconter si je le souhaite un jour dans une autre vidéo ou en story ou quoi. Ou alors, je vous ferai un débrief tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà, pour le tournage, ça nécessitait d'amener des petits vêtements. Donc du coup, j'ai pris genre des collants, etc., gilet. Il fallait amener un rouge à lèvres. Et puis, moi, je devais laisser mon afro. Parce que c'est un tournage qui a lieu dans les années 80. Voilà. Du coup, moi, je me suis habillée pas comme de ouf. J'ai mis un jogging. Parce qu'en fait, en soi, je vais pas porter ces vêtements-là. Hein. Justement, il y a peut-être une semaine, j'avais été faire des essayages, tout ça, donc je sais à peu près quelle tenue je vais porter. C'est un truc de ouf en vrai, genre j'ai trop envie de vous en dire plus. Enfin c'est pas un truc de ouf mais genre voilà quoi, pour moi ça fait tout drôle parce que j'ai jamais fait ça donc bref du coup ouais, je pense qu'il va arriver. On est parti. Alors pour le moment, bon les gars, du coup on n'a pas encore tourné, ça s'est grave éclairci depuis ce matin. Et là je me promène, regardez, avec ma tenue là, on sent le jugement des passants parce qu'il y a vraiment des gens qui passent là, genre ils courent, des papis, des mamies et tout. Et du coup c'est grave beau. Guys, on va commencer à tourner. Oh my god! Je viens de rentrer, les gars, je suis grave crevée. Juste regardez ma bouche. Avec le masque, j'ai oublié de me démaquiller dans les loges et du coup j'en ai partout. Bref, j'ai pas encore mangé alors du coup on va commander Uber parce que faut que je vous explique un truc. Pour ceux qui savent pas, je me suis fait agresser on va dire il y a 2 semaines et du coup c'était chaud, j'ai perdu tous mes papiers etc. Et donc du coup ça fait une semaine que genre je suis occupée, je suis à droite à gauche et tout, ça fait que ben, j'ai eu genre
zéro fois le temps d'aller faire les courses. D'autant plus que quand je suis toute seule et que ma soeur elle est occupée, j'avais pas de carte sur moi, donc je vous explique pas la galère. Et tous les jours, bah, je suis pas à la maison, donc du coup, couvre-feu. Du coup, j'avoue, je suis obligée de commander. Enfin bref, petit aparté nul, mais genre juste pour vous dire que en ce moment, c'est un peu la vie de gros porc, hein, je vous avoue. En fait, je continue de vous parler avec du rouge à lèvres plein la bouche. Tant pis, CR, c'est Kay. C'est quoi là? Ça brûle. Ça... Il fallait pas faire le show. Je sens plus mes lèvres là. Toi, ton pâté, il doit être bien bon là. Ouais, j'aurais dû commander. Toi, tu fais que de commander de toute façon. Mais c'est parce que j'ai pas de course. Toujours pas. Mais j'ai pas eu le temps, frère. Je me lève à 8h, je rentre à 20h. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Ouais. À sa tête, c'est juste pas possible en fait. Les gars, aujourd'hui on est vendredi. Du coup, à 8h, il y a un coursier qui m'a réveillée pour me livrer ça. Et je pense quand même être contente d'être réveillée parce que c'est la paire de chaussures de Cardi B. Donc c'est une nouvelle paire. Oh my god! Du rose! Alors il y avait du blanc, il y avait du fluo. Et du coup, bah moi, on m'a envoyé la rose parce que je pense qu'il y avait plus de blanc. Je vous avoue que la blanche était ma favorite. Mais c'est très très cool. Rose fuchsia comme ça, par contre, faut faire une bête de tenue. Hein. Non, franchement, le modèle, moi j'aime bien. En fait, c'est la semelle qui fait que c'est stylé. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que je me suis levée, je vais aller du coup me préparer. Comme ça, je pourrais filmer du contenu. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous. Je sais pas pourquoi, mais dès que j'ai une nouvelle paire de chaussures ou des nouveaux vêtements, ça me donne l'élan en fait d'aller me préparer. Alors du coup, c'est ce que je vais faire. À tout de suite. Ok guys, je suis dehors. Regardez mon petit outfit. Et je me rends chez la coiffeuse. On est arrivé au salon, donc du coup voilà. C'est ici qu'on va se faire coiffer. Donc j'ai trop hâte en fait. Je vois déjà des pépés et tout. Regardez la sœur. Elle a une tête de boule. Guys, regardez le résultat. Oh my god. Je vous mets le nom du salon sur l'écran et en barre d'infos. Franchement, allez-y, regardez le résultat. C'est incroyable. Ok guys, là on a quitté le salon, donc regardez ma petite coiffure, tout ça. Et là du coup on s'est fait livrer la seafood, donc dans la rue du salon de coiffure, et regardez. Tout ce qu'on s'est fait livrer, c'est incroyable, et du coup là j'en ai profité pour tourner un mukbang avec Cassia. La petite caméra ici, la ring light, et on est parti, on se retrouve tout à l'heure. Guys, oh my god, la lumière. Je vous ai même pas fait d'update depuis hier soir. Du coup, ce matin, j'ai rien fait de spécial à part que j'ai dû tourner du contenu pour la nouvelle paire de Reebok pour Cardi B, tout ça. Et là, du coup, je suis en train d'essayer de créer une chorégraphie pour une nouvelle artiste qui va bientôt clipper. Donc voilà, depuis tout à l'heure, je suis à l'essai et je suis en train de filmer des extraits avec Snap parce que au moins tu peux filmer des longs trucs, et si j'envoie à l'équipe, j'aurai un petit filtre, voilà. Franchement, je suis en train de tester des chorés, mais c'est pas top top quoi. Normalement, on est censé faire ça à plusieurs, mais du coup, je prépare à l'avance au cas où. Je sais pas ce que ça donne, hein. Franchement. Quand vous verrez ça, ce sera sûrement déjà validé ou recalé. Bref, je suis à l'essai. Et ben, j'étais pas au bout de mes surprises, hein. Franchement, si vous voulez savoir s'ils ont gardé la choré ou pas, restez jusqu'à la fin. Je vous promets qu'il y a grave des choses à voir. Hey guys, aujourd'hui on est lundi. Hier j'ai pas du tout vlogué parce que c'était très chill, c'était très montage toute la journée, j'ai monté deux vidéos. Donc du coup voilà, là je suis avec François et on s'en va répéter un projet de danse, enfin une chorégraphie de danse pour un petit projet, un petit tournage qui arrive, donc voilà. Un petit, un grand, un gros, un gros, j'aime trop minimiser les trucs. Vraiment. Ça va être trop trop bien, je sais pas si j'aurai le temps de vous vlogger ça parce que c'était censé être le dernier jour de vlog aujourd'hui, mais on verra bien. Et voilà, period. On est rentré dans un gymnase ou je sais pas c'est quoi. Salut Antoine, ça va? Kay, enchantée. Ah, je sais pas, il y a ton mec en face, tu vas le regarder pas, on va lui dire ça. Voilà, si il y a ton mec en face, tu vas pas faire un truc, enfin un truc non moche. Tu vas vraiment vouloir avoir un regard de séduction. Qui dit séduction dit menton baissé. Séduction. Regardez qui est arrivé. Enchantée Maya. Du coup là on est en train de mixer la choré que j'ai proposée. Genre là il y a un extrait ici, vous voyez, c'est ce que j'avais filmé la dernière fois. Et du coup ils ont validé, et donc du coup on a juste amélioré pour que ce soit encore plus fluide, genre au niveau juste de la gestu. Et là ils sont en train de lier ça à leur choré. Alors c'est pas là. Du coup c'est grave quoi. Oh le bon blé. Mais je bombe grave, mais tu vas faire quoi en fait ma belle? Mais elle est malade elle.
Maya, t'es prête ou pas pour le cours? Vous avez pris des tenues avec moi. Que headwork, elle est insupportable. On a privatisé la salle de danse, les gars. Regardez. Oh my god. Vous savez très bien à quel point je kiffe la danse, mais que j'ai jamais pris des vrais cours et tout. Du coup, là, je me sens chorégraphe. Normal, c'est le cas. Normal, t'as pas besoin, tu auras beau prendre. Je l'ai dit, mais je t'ai dit en plus, c'est bon. J'ai dit, il est très très différent. Ouais, ouais. Ah, c'est down. So you go down, down. Ça c'est pas le valorisme. Ah bah c'est open. Adam Day, honey, cookie on tsunami. Ça suffit. On va aller se sortir. On est mort sur une autre choré nous. Tu vas te créer mon job. Wow, des vocalises. I got some riffs here. You got some vibes. Don't I'm a savage. Classic, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, what was happening? On vient de sortir et là je suis devant la pharmacie parce que ça nécessite un petit test pour le tournage etc. Donc bon c'est un petit peu relou mais en plus je l'ai jamais fait, j'ai trop peur. Genre Maya m'a dit elle a eu mal au cerveau. Mais de fou, ça m'a tué le crâne quand même. Non, mais attends, mais mal au cerveau, mais savez moi je vais faire le test, genre j'ai trop peur là. Métro les gars, je pense que c'est une abonnée. Tu t'appelles comment? Victoria. Ok, Victoria, big up. Guys, du coup, je suis rentrée à la maison. Je suis fatiguée un petit peu, je vous avoue. Donc, du coup, pour me réconforter, je suis passée au McDo. Et du coup, ce soir, je sais qu'il y a mon pote Ben qui va me rendre visite. Donc, voilà, trop cool. En attendant, bah, je travaille. Et voilà, demain, rebelote. On retourne à l'entraînement de danse. Hey guys, non mais regardez ma dégaine s'il vous plaît. J'ai vraiment enfilé mes derniers vêtements parce qu'en fait je me suis pas réveillée assez vite et je dois aller faire un test antigénique avant midi. Là il est 11h30, oh my god, panique. Là ce matin c'est vraiment un réveil pas très agréable, en plus je me suis couchée assez tard. Du coup je comprends rien à ma vie et voilà, il faut absolument ce test, les résultats négatifs, pour que je puisse faire les entraînements cet après-midi tôt. Donc vous connaissez, je vais pas louper ça quand même, donc on y va. C'est bon, ça va? Oui ça va. Ça va, y'a pire. Je dois rentrer, mon test est négatif. Yes. En attendant que ma bouffe se fasse, on va se make-up un petit peu parce que là les cernes, on voit que je me suis couchée à 4h30. Ça se voit. Ouais. Mon meilleur bol de ramen en même temps que je me maquille. Non mais là j'avais trop faim là, fallait que je mange absolument avant de partir. Je suis de retour au studio, donc avec toutes les salles de danse. Je retrouve les mêmes crapules qu'hier. Donc il y a Dina, l'artiste, qui est en train de répéter avec les danseuses. Et moi j'attends Maya, comme ça on va revoir la choré que j'ai proposée hier. Hello guys. Je retrouve mes crapules en place. La star d'Ankoro est de retour. Yeah. En direct avec les rédactions, on vient de tester ma choré, du coup ça va, elle a grave assimilé hyper rapidement. Ça va comment? Alissa. Tu copies trop, y'a pas en fait. Non mais c'est mon vlog. Et c'est le carreau. C'est le carreau. Y'a pas à faire la même. Mais les gros plans. Les gros plans. Ma belle. Yeah. Non, on danse sur le refrain, mais il coupera le son du refrain. Donc on fait la danse. A chaque fois, mais jamais que je la filme. Regarde toutes ces sapes. Oh my god. Quoi, je t'ai montré ça? Tu m'as juste pas calé là. Du coup, j'ai fait. En fait, elle m'avait esquivé. Non. Mais pas du tout, ma belle. Et donc, tu seras dans tout mon. T'es dans tout mon vlog. Bon, en tout cas, sache que je vais supprimer toutes les parties avec toi dans mon vlog. D'accord. Juste pas dedans. Je vais bomber quand même. Period. Tu vois, on dirait pas, on va dans la clip de Nicki Minaj ou Cardi. Mais très clairement, en fait. Dina, t'es jalouse en fait? Oui. Non, mais vraiment quoi. Mais y'a pas à être jalouse. La meuf elle est... Franchement nos tenues, très bien. Et moi, tu me montres pas? Moi j'aime bien celle-là. Mais on te voit depuis le début. J'avoue. Trop fraîche. Regardez ma deuxième tenue au final. Passée en vert parce que ça faisait trop rose. Et la prod préférait que je sois en vert. Mais du coup, regardez, j'ai un petit top Jean-Paul Gaultier en fait. Un petit pantalon. Très vintage. Par contre j'aime trop ma chaîne de corps. Il faut que je me les sèche un minute. Travailler. Oui. Transition 31. Ah mais tu vois. Enfin, mes cheveux respirent, genre. What you think, Kay? I'm not really into that shit anymore. I mean, whatever. What did you say to me? I don't care. Fuck them la all. La mèche. Guys, c'est l'heure de dormir, en fait, là. Tu vas dormir en suite? Mais ouais, en fait. La meuf, c'est une diva. Elle est dans ma chambre. Elle dit quoi? Mais moi, je dors pas au milieu, en fait.
Mais comme ça. Mais en mettre, je sais pas, un minimum de choix de place. Attends. Là. On arrivait vraiment. Regardez mes cernes. Waouh! Un froid, t'as peur, gars, ils ont sorti dehors. Mais ah, c'est bon, on va prendre le van. Gars. Guys, regardez, on vient d'arriver, le Uber nous a déposé. Mais c'est le château. C'est trop Bridgerton, genre. Il a après, à la fin, oh my god, donnez-moi ma robe de comtesse directement. Dis bonjour, hein, t'as un masque, t'as pas son. T'appelles comment, t'as Maya. Maya, enchantée, Maya. Ouais, là, c'est Kay. Ouais. Ouais. Ah ouais. Nala. Comme elle a un mode hibernation et tout. C'est le mood, regarde la neige, tu te blottis en fait. Ah mais c'est trop beau ici. Oh, il y a Gina qui se fait maquiller, j'avais pas vu. Je t'ai même pas dit bonjour, ça va? Ça va toi? Ouais, très bien. I'm so pretty and you like that. Les transitions TikTok, c'est quelque chose. Regardez tous les accessoires. Oh my god. Je sais déjà ce que je vais prendre. Bah en même temps, son budget make-up par mois, c'est 10K. À qui? À Macron. Ça doit bien le rouge, hein. Non, rouge, ça t'as ta tête, t'as rouge. Là, t'as bien ça. Ça, c'est mes cheveux naturels, hein, tu vois. J'ai laissé un peu. T'as de la chance. En même temps, tes cheveux, regarde. Je fais un petit tour, là. Je suis fan. Trop canon, trop canon. Mais là, c'est tout blanc, c'est trop mimes. Dévoiler le vrai visage de Maya, Béa, excuse-toi. Le vrai visage alors, de Maya. Littéralement, une heure qu'on est là, on doit répéter la chorégraphie. La go n'a pas bougé. Les stars. Les stars. Bref, c'est quoi? Oui, mais oui. J'écris mon violon. J'ai vu. Bah, bah. We got it. J'en ai peut-être plus, mais j'ai des gâteaux, des fruits. Ah, mais moi, ça me va. Regarde comment tu rends bien la caméra. J'allais dire. Regardez, vous avez regardé la dernière vidéo de Kay Mukbang où elle disait que c'était une balance. Tu vois? Non, mais ça veut dire elle était en mode. Non, mais moi je répétais entre les adultes. Elle snitch tout. Snitches get stitches. Ah ouais, ok. Mettez-lui un plan dans le clip, elle. Yes, elle a ramené les vinoiseries. Donne à la petite princesse à la fin, là. C'est pour vous, les filles. Merci. Après, on n'est pas galants. Ouais, c'est ça, tu vois. Tout ça t'a pris. Cheers. Oh my god. Mais c'est trop gang. Tu vas trop. Non, mais queen. Attends, je monte le lustre. T'es malade ou quoi? C'est super joli. C'est beau, le lustre. C'est incroyable. Ça. Mais en fait, chaque pièce, en fait, c'est trois fois ma maison. Je vous explique. De malade. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tour. Behind the scenes des behind the scenes. Il est 15h, on va manger, c'est très cantine vibes. Ouais, on dirait pitaya. C'est combien de calories un pitaya? Non. C'est 2000 calories. Mais non, je crois pas. Et moi je crois que c'est grave, tu sais, healthy, léger. Et moi c'est alors, pas du tout. Je suis t'emmerde. Elle est dans les mirinda et tout. On va goûter ça. Très crash test vibe. Riz, poulet, champignons. Moi je kiffe les champignons. Tout le monde aime bien champignons, riz. Ouais, on adore. On dirait pas Maximus, le mec de. Enfin, le cheval dans réponse. C'était toi en fait. TikTok time. Là, on va faire des TikTok avec Madame Kay. Parce que Kay, en fait, c'est la couille de TikTok. C'est elle qui m'apprend, celle qui m'a appris les bases. Regardez en plus comment elle est faite. C'est bien. Non, tu pars par mon côté. Et moi, après, je suis ça. Peu importe en vrai de vrai. Ouais, je préfère partir là-bas. Vas-y, comme tu veux. Première scène, répétition. On est en position de départ. On fixe le plafond, s'il vous plaît. Et. Moteur. Et donc, action. Vas-y, Kélia. Tac, reste encore. Vas-y, Kélia. Je suis dans ce film de la petite vidéo.
Allez-y. C'est bien cut, c'est bon là. Bye le château. Vraie ring light là. Bref, une ring light qui éclaire tout le château. Eh, c'est une. Eh, Kay, on a loupé la fin de tournage. Ils ont tourné ici. Oh my god, j'ai fait un solo, etc. C'était pas du tout prévu. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs pas prévus. C'était trop cool. Donc voilà, j'ai hâte que vous voyez. Franchement, je peux pas vous en dire plus, mais restez très connectés. Hey guys, aujourd'hui c'est la fin de ce vlog, voilà je vous montre juste mon début de journée, je pense que je vais pas vlogger aujourd'hui, je suis pas sûre en fait. Mais là on est le lendemain du clip, hier je suis rentrée, je me suis couchée à 2h du matin parce qu'il fallait que je mange, que je range toutes mes affaires, les trucs que j'avais ramenés, tout ça. Et puis même le temps de faire le trajet de l'hôtel de Maya jusqu'à chez moi c'était un peu long. Donc du coup voilà, là il est à peu près midi et je dois rejoindre encore l'équipe de Dina, tout ça, tout le monde, Maya, toute l'équipe, l'agence, tout ça. Pour bah, faire du contenu et donc du coup ça va être trop cool aujourd'hui et je pense que je vais shoot une tenue, regardez. Je vais shoot ça je pense, j'ai fait un petit tag aujourd'hui, ça va être trop cool. Je mets fin au vlog parce que ça fait une semaine jour pour jour que je filme et que vous êtes avec moi. Donc voilà, j'espère que l'aperçu des petits backstage vous a plu et restez connectés pour tout, que ce soit le clip, les TikTok qu'on va faire aujourd'hui, etc. Voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. En attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous la mif, vous faites gros bisous, bye.